Bonjour et bienvenue. On est reparti pour plus de Grounded. On a pas mal de choses à faire. On va faire comme ça. Donc on s'est équipé pour sortir. Faut que je vire ça. Oh 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 oh, les flèches de poison. Donc on a. Alors j'ai dépensé sans compter honnêtement. Par contre. Ouais non, de toute façon on va en tirer 5 après elles vont devenir normales, je crois bien. Donc elles iront dans le stack. Donc on est ressorti en tant que ranger, tout simplement. Donc je vais utiliser des flèches normales de plumes. Donc elles font un tout petit peu plus mal, hein. C'est pas énorme, mais voilà, on peut le faire, donc faisons-le. Après nous allons aussi utiliser donc les flèches de froid. Donc à la menthe, parce que les larves qu'on combat là-bas, en fait, sont faibles contre ça. Donc elles sont ici, celles-là. Donc voilà, elles sont faibles contre le frais. Et l'empalement, c'est aussi pour ça qu'on fait très mal avec l'arbalète, je crois bien. Donc ça, c'est bien. Après, tout ce qui est thermite et tout, c'est plutôt du salé. On peut faire des flèches au sel, je crois. On peut faire des flèches salées. On peut. Je sais pas si ça vaut le coup. Enfin, je vais pas vraiment penser en fait à changer. Mais on pourrait faire que des types de flèches spéciales dans un sens. C'est 2 pour 5. Ouais. Et après, ça passe en flèche normale, je crois bien. Ah, pardon. Je crois que ça passe en flèche normale, hein, comme les flèches de poison. Donc ça c'est frais, empalé, ça c'est très bien, on va faire mal. Ça c'est empalé salé. Ça c'est aussi salé. Bon par contre c'est résistant à l'empalé, mais bon ça va. Les deux devant deux. On va. Ça va se doser, je sais pas. Donc ouais, on pourrait faire du salé. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça. On va faire ça. Laisse salée. Du coup, putain, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Hein. Ça, c'est à la menthe, ça, c'est salé. Ça marche. Et là, on a des poisons. On a un stack de poisons. Ça fait beaucoup de slots qui sont pris, honnêtement. Mais bon, c'est comme ça. Après, j'ai pris une dague et une lance. La lance, je sais pas vraiment si on devrait la prendre ou pas. Peut-être qu'on va prendre juste la dague à la limite, parce que ça fait quand même beaucoup de slots qui sont pris. Donc on va jouer comme ça. On va jouer comme ça. Alors un truc, une chose à dire pour ce qui est de l'arc. Donc maintenant on utilise le chapeau. Ah oui, juste avant une chose. Je voulais dire que les jambières d'abeilles pourrissantes, là, il fallait moins d'objets rares en fait. Pour les réparer, mais j'avais pas vu aussi, je sais pas si j'en avais parlé, la défense c'est pas la même. Là on arrive à 3.5 et là on arrive, enfin la résistance, et là on est à 2.5, donc voilà. Mais bon, pour les réparer c'est plus facile, donc on va les garder. De toute façon c'est la même résistance, hein, c'est juste que la défense est moins, donc du coup elles vont casser plus vite, je crois bien, si c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on a de l'étourdissement à l'arc et avec ça on a attaque à l'arc qui est augmentée. Et je dois dire que avant il y avait que avec l'arbalète que je one-shotais. On va partir maintenant, mais bon. Que je one-shotais. J'aurais pu faire un putain de truc. On va faire ça. Donc je one-shotais les charançons. Je one-shotais les charançons. Il y avait que avec l'arbalète. Et maintenant je le fais à l'arc. Je le fais à l'arc. Très facilement. Enfin, je tire une flèche, il meurt. Donc, les dégâts ont augmenté. Les dégâts ont bien augmenté. Donc, on va aller tester ça sur les bestioles là-bas. Et on va voir un peu ce que ça donne. Mais même avec les flèches avant, même avec les flèches à plumes, je tuais pas, en fait, les charançons en une flèche. Donc, oui. Donc, il y a une amélioration, il y a un mieux. Et je pense que ça va être plutôt sympa. Alors après, pour ce qui est de la grotte, on va mettre la lampe frontale et on va utiliser dague et bouclier, je pense. Ou alors, on essaiera de courir et faire des flèches, mais on va se débrouiller. Mais bon, on verra ça. Ah, il faut que je dorme. Il faut absolument que je dorme, en fait.
Après, pour les mutations, on a assassin, œil de lynx, assassin, il faut qu'on l'augmente aussi. Bouclier humain pour la vie. On a le centaure en temps, célérité. Et après, on a les critiques augmentés. Alors, on va peut-être dormir en fait. Ah, c'est pas grave. On va se réveiller le soir et puis il fera nuit. Ah, ça fait un peu chier en fait. Ouais, j'avoue que c'est un peu chiant. Mais bon, on va se débrouiller avec. C'est pas grave, pas grave. On va se débrouiller. Donc, c'est parti. Même ma nourriture, elle est à moitié. Ah là là, c'est très con ce que je viens de faire au final. That was refreshing. Bref, j'ai l'habitude de faire des conneries. J'ai l'habitude. Allez, on y Nice va. and safe. On y va. Et on va donc monter sur le jardin supérieur. On va voir ce que ça donne. Pour changer les flèches, c'est un peu de la merde par contre. On en a que deux? Ouais, on en a que deux. Par contre, on est rapide. Hein. Par contre, on est très rapide. Donc, c'est bien. Entre célérité, l'équipement léger et tout ça, c'est vachement bien. Notre endurance aussi dure bien, bien longtemps. Donc, ça c'est vraiment cool. Rub time. Bien. Une araignée. Oui, on peut même passer par là, quoi. On est bon, on est bon. Je voulais mettre l'épicé, vous savez, l'accessoire là qu'on a. Mais en fait, ça sert pas vraiment à quelque chose parce que il n'y a aucun ennemi en fait qui est faible, en tout cas. De ceux qu'on connaît, il n'y en a aucun qui est faible à la chaleur. Ils sont tous résistants. Enfin, ils sont ou résistants ou neutres. Donc c'est un problème. C'est pas vraiment bon pour nous. On peut sprinter longtemps. Un jour, je vais foncer et la loi, elle sera dedans. Ah, c'est vrai que pour monter, ça va être la catastrophe. Oh là là. J'avais oublié ce passage. Il nous faut un meilleur passage, honnêtement. Il nous faut un meilleur passage pour monter. Pas grave, on se débrouille. Là, c'est vraiment con, en fait, de faire ça la nuit. J'avoue que j'ai... Oui, non, j'aurais pas dû dormir. Vraiment débile. Vraiment débile. Mais vu que j'ai vu le débuff, je me suis dit, oui, ça va être un peu chiant en fait. On est bon. Elles sont toutes sorties les larves. Ok, on continue notre aventure. Donc on avait vu des termites, trois termites. On va y retourner. Je sais pas comment on va se débrouiller en fait. Honnêtement, c'est peut-être très con ce que je viens de faire parce que je sais pas trop comment on va se débrouiller dans le trois termites. J'avoue que je sais pas. On va voir. De champignons ici. On n'était pas venu là. Quoi ce bruit? Ah, ça c'est de l'araignée ça. Mummies list blend des punk mix. C'est une roue de vélo, quoi. Ouais, il y a plein de... Il y en a quelques-unes.
Ok, intéressant. Nickel. Ah, on a ces coccinelles-là aussi à se faire. Oui, mais en plus, elles sont méchantes. En plus, elles sont vilaines. Non, attends, faut que je regarde quelles sont leurs... Alors, elles aiment pas le frais. Ça marche. Donc, le frais... ça c'est menthe. Ok, nickel, fais voir un peu. Des bons dégâts. Ah, elle saute. Elle s'est sautée. Pas mal les dégâts. Je vais voir l'arbalète. C'est moins fort à l'arbalète. Ah mais c'est parce que j'ai des flèches normales à l'arbalète. Le poison fonctionne, j'ai vu ça. Sa vie descend. Ouh. Ok, très bien. Ok, l'arc est plus agile. C'est plus agile, mais moins puissant. L'arbalète reste toujours mieux, même si l'arc commence un tout petit peu à rattraper avec le casque qu'on a là. Donc qu'est-ce qu'on a eu? Just like a fruit pounder. Ça, coquille quasiment impénétrable d'une coccinelle agressive. Ça marche. On peut s'en faire une autre. Alors d'abord du poison. Très très bon les gars. Il y a toujours le poison. On est normal pour le finir. Oh merde, elle est pas morte. Nickel. Ça marche très très bien. Ça marche très 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 bien. Ok, parfait. C'est bien qu'on puisse récupérer les flèches quand même. Je trouve ça vraiment sympa ce système. Même les flèches, je parle des flèches spéciales en fait. It's no lemon crime, but it's better than nothing. Donc faudra voir à quoi ça sert ça. Est-ce on n'a pas un truc pas loin? Il était où? Ah, il est derrière nous. Ah non, après il faut remonter par le charbon et tout. Non, 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 on ne va pas. C'est pas grave. Having a little peep.
va peut-être revenir vers les termites, comme on a dit. Mais si jamais on revoit encore des coccinelles, on se la fait. Je pense qu'on va se les faire. Amas de sel. Je sais plus où on était, nous. J'imagine par là. Je trouve plus le chemin, en fait. C'est vrai que j'ai pas du tout regardé, en fait, où on était. Ah, putain, il est... Quoi ça devant moi? On trouve pas de larves en fait, c'est pas normal, on n'est pas au bon endroit. Moins que ça soit à l'autre côté, ça soit genre là. Ah. Trouvé. Ladybird lava, pull the fire alarm. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a genre une entre eux dans les feuilles là. Bon bah du coup on visite un autre chemin, j'ai l'impression. Coccinelle là. On pourrait se la faire. C'est quoi ça? Un jouet qui est enterré? J'ai l'impression que c'est une jambe ça. On va se la faire, je pense. C'est le salé qu'elle aime pas ou le. La glace? Salé, je crois. Non, c'est la glace. Merde. Je commence à prendre l'habitude de changer de flèche. Attends. Plume. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Très très simple pour le moment les combats. Let's see what's around here. En tout cas les combats à l'extérieur pour le moment. Je sais pas trop ce qu'on peut faire avec... ces carapaces. C'est des carapaces niveau 3 en tout cas, hein, ça dit. Niveau 3.
Ah, c'est le jeu d'enfant là. Je leur dis un chiffre et tout, choisis une couleur. Le truc en papier là. Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, le char. Le char en sang, c'est vrai que j'avais oublié ça. Juste quand je regarde, ça le fait. Je pensais qu'il y avait un truc qui se passait. Bon, on visite un autre endroit du coup. Je suis désolé. Ah! Par contre, ça, on veut bien. Donc, toi déjà, t'es... C'est salé. Lui, il aime pas le salé. That was refreshing. Où est-ce qu'on va se mettre? Si je me mets là, il va me faire bouger la feuille, non? Il a toujours du poison sur lui. Est-ce qu'il est so- Ah, il est, on l'a sonné, mais on voit pas les étoiles. Flèche, bordel de merde. Ils ont envoyé partout, quoi, c'est cool. Plein de champignons. C'est quoi ça? Fourmi travailleuse de feu, qu'est-ce que là, elles font de l'acide. Bah évidemment, c'est des fourmis de feu. Ça, c'est un gros critique, ça. Évidemment qu'elle crache du feu et tout ça, des trucs de feu. Bon, c'est pas de leur... Ah, la putain de merde. C'est de la merde.
Bon, là, on est au périmètre des fourmis de feu. C'est pas vraiment ce qu'on voulait faire, mais... Bah, on en a besoin aussi, donc bon. Hein. On va se retrouver très vite avec que des flèches normales, je crois. Ça va. Énormément de champignons là, c'est pas mal. C'est... Faudrait peut-être faire un tour un jour. Il y a des normaux et d'autres aussi. Eh ben. Bon, en tout cas, c'est pas ici qu'on veut aller, nous. Ça, il fait bientôt jour. Pas ici qu'on veut aller, mais bon, c'est bien. On a eu des nouvelles choses, donc ça va. Et on a pu tester notre arc et arbalète. Donc les flèches spéciales font mal, hein. Ça marche très bien. Ça marche très 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 bien. Je suis content de ça. Ah putain, une fourmi dans la paroi, quoi. Merde. C'est ça qui nous avait aggro tout à l'heure. Par contre, et niveau étourdissement, j'en vois pas énormément. Après, bon, on n'a pas des armes qui en fait beaucoup. Allez, on va un peu. Tastes good. On va un peu à l'intérieur. Des gros champignons ici. J'ai vraiment envie de les prendre, mais... On n'est pas vraiment là pour ça. On est là... Notre mission, en fait, c'est vraiment de faire les termites. Après, tous les gros trucs bon, qui passent à côté aussi, mais c'est surtout les termites, les bandibules, là, qu'il nous faut. Oh, attends, là, on est où? Ok. Ça. Nickel, on n'a plus de place quoi, c'est ouf. Ciao down. Là-bas, on a aussi une chose qu'il nous faudrait. Et ça, on verra plus tard. Ça prend du temps à les tuer, donc c'est un peu relou. Ok, non, c'était grave enfoncé, en fait, dans le côté gauche, peut-être. Putain, c'est fou que je me rappelle plus, comme ça. Having a little peep. C'est quoi ça? Des chrysalides à faire tomber? Ouais, je pense. Ah oui, non, c'est ça. On était passé par là, en fait. Oh.
Ouais. Peut-être pas exactement là, mais ça y ressemble. Il y avait des acariens aussi spéciaux là. Il y en a là? Il n'y en a pas. Peut-être plus profondément. Oh! Ah non, ça, j'ai cru qu'il était plus gros que d'habitude. Les larves pour le moment, on s'en fout un peu. Ah voilà, oui, je me rappelle de ça là. Dans l'inventaire. Ah, je pensais bien que ça allait être une catastrophe. Bon, après, c'était pas prévu de tuer des coccinelles. Donc, c'est un peu de ça aussi. Alors, ça, c'est bien. Il me faudrait plus de place quand même. Ah, il nous faudrait... Je crois que je vais prendre une autre mouche après. Parce que ça serait vraiment bien d'avoir de la place en plus. Ça, c'est pas les mêmes. Ça, c'est menthe salée, menthe. Du coup, je peux plus. Ouais. Oh là là, quelle merde! Putain, ça me rend fou quoi, cet inventaire des fois. Damn! Give me a plate of this. That was refreshing. Alors... Ok, je me rappelle qu'on était possiblement passé par là, mais après on avait pris un autre chemin. Je crois qu'on était plus... Voilà, c'est cul-de-sac. Ouais, après on était remonté, allé sur la droite. Oh, la musique, est-ce qu'elle est forte. Ouais, c'est bon. On y arrive. Normalement, ça devrait monter. Ça a brillé ou c'est moi? C'est vrai que c'est pas mal en fait ces bonbons. Hein, au final. Oh mon dieu, il y a une abeille là quoi. Bon, par contre, on va pas pouvoir tout prendre en fait. Il y a des cailloux. On devrait peut-être prendre que les gros en fait. Je suis en train de me dire. Mais les petits, c'est ceux qu'on peut créer, je crois. Les gros, c'est ce qu'on mixe avec les petits. Je crois bien. Si je dis pas de bêtises. Donc si maintenant on commence à faire des flèches spéciales... Si je me remets sur l'arc, ça met quoi par défaut? Ok, ça met les dernières flèches que j'ai mis.
on a un bon nid d'araignée ici. Et nous, on était là-haut. Je crois bien. Très bien. Je sais pas si le poison fonctionne. Le problème c'est que bah ouais, les flèches spéciales deviennent vite des flèches normales en fait. Assez vite. Après, faut avouer que ça fonctionne vraiment bien. Ça fonctionne super bien. Ouais, faut l'avouer. Ok, celle-là, on les défonce, quoi. Ok, elle, on les massacre. On les massacre à l'arc. Je sais pas quoi jeter. Pas quoi jeter. Tastes good. Oh, j'ai jeté le liquide au lieu de... Oh, ma faute. Ok. Nice and safe. C'est reparti. Donc elles aiment pas le froid. Attends. Vérification. C'est pas le salé, elle. Elles aiment... Non, si, elles aiment pas le salé. Merde. L'autre, c'était le... Je tirais des flèches de froid sur la truc. Elle, c'est le salé. Je sais plus si j'en ai encore. J'en ai plus du salé. Non, super. On va peut-être tirer avec ça. Might
J'ai l'impression qu'elles sont derrière moi. C'est con, c'est du salé qu'elle aime pas. Elle. C'est pas grave, on fait très mal quand même. C'est pas très grave. Je galère avec mon inventaire. Je galère de ouf. Voilà. Je vais voir ce que c'est. Ça c'est des glandes d'acier. Donc nous, il nous faut des termites plus grosses. Termite ouvrier en or. Nickel. Après avoir des... Oh. Let's see what's around here. Attends, ça c'est termite. Pas de termite ouvrier. Je tire à côté. Okay. Ah, bien tiré. Y a rien qui est par terre. Non. Ouais. Oh, les mandibules. Putain! C'est toutes les mêmes! Oh, super. Ça, c'est un critique, ça. Temps de me toucher. Incroyable. Bon, ça marche bien comme ça en fait. Avec le casque et tout ça, l'arbalète et tout machin, c'est pas. Quand on aura la... De la meilleure endurance, ça va être top. Quand on aura de la meilleure endurance, ça va être super top.
On va tirer plusieurs fois sans vraiment s'arrêter, courir, sprinter. Bon, par contre, il y a un problème là, parce que je trouve pas de grosses termites en fait. Et d'accord que ça a rien droppé, hein. Ouais, non, non, y a rien du tout. Genre que mon inventaire soit plein et que du coup, je sais pas, c'est foutu la merde. Que ça soit tombé. Mais non. Par contre, ça, nous on a quoi? Ma dague, elle sert pas à grand chose. Pas grave. Gonna have a look around. What buffets that way? Pas la joie quand elles font de l'acide. Après, avec non, elle est morte. Bizarre. Quand je tirais pas des flèches. Bizarre. Non, je tirais pas des flèches empoisonnées. Bah, les flèches, ça fait du saignement. Je sais pas. C'est un peu étrange. Elle a oublié de mourir en fait sur la dernière flèche, peut-être. Et elle avait un décalage. Oh le vache. Ouais, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Mais qu'est-ce que je fais? Putain de merde. Faut que j'arrête de faire ça, moi. J'arrête de faire le débile. Hein. Pas lancer mon arbalète comme ça. Non, R recharger. Mais non, marche pas comme ça, je. En plus, c'est un chemin secret, ça. Ouais, terrible. Il y a plein de trucs en bas, je suis sûr. Super. Ah, par contre, il y a un truc là. Haute densité. Picky. Tu.
ça pour des pierres. Donc en fait, on a peut-être tué des termites pour rien. Possiblement. Par contre, le... Ouais, la science, là... ouais, bof. Allez, on est reparti. Putain de fusil à pompe ici, quoi. Let's see what's around here. Derrière moi. Ferme ta gueule, le truc, casse-toi, bordel. What the fuck? Il est dans le tunnel, le machin. Genre, manquait plus que ça, quoi. Ça va me foutre dans la merde. Ils peuvent pas s'attaquer. N'importe quoi. Bon après, si on voit strictement rien alors qu'on a défoncé tout le monde et qu'on avance et tout ça, qu'il n'y a vraiment rien de rien, il va falloir trouver un autre endroit, quoi. Would be phased that way. Très bizarre. Ou alors c'est quand elles sortent, ça leur fait des dégâts. Bon, l'arbalète, elle va pas tenir. Non.
pas refaire la deuxième fois. Hein. Pourquoi elle va... Ouais non, sa vie baisse. Très très étrange. Et encore une fois, c'est pas du tout des flèches empoisonnées que je tire. Bon après, je vais pas me plaindre, c'est déjà aussi assez chiant comme ça. Est-ce qu'on peut la faire au corps à corps hein? Ok. Bon, je commence un peu à fatiguer, j'avoue. Je commence légèrement à fatiguer. Ouais, la dague là je mets du saignement moi mais pas avec les flèches, à moins que ça marche avec les flèches. Il y a plein de pierres. Et là il y a ça. Une situation délicate. Département roi fourmillement de l'expédition. Stava. Décembre 1989. Ils me grincent dessus, ils font claquer leur clic-clic. Non mais pour qu'ils se prennent, ne connaissent-ils pas l'élu que j'ai créé à notre image combinée? Ne comprennent-ils pas que c'est ça que nous devrions... Nous viendrons ensemble, à ce jour j'apporte des cadeaux. What? If only chemistry class was this easy. Bizarre ce que le mec il dit. Bizarre ce que le mec il dit. Genre un humain mixé avec un termite. Après dans les ingrédients il y a écrit roi termite je crois. Super, bien joué. Bon, bah on a fait tout le truc thermite, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas ce qu'on cherche, donc ça fait un peu chier. On aurait pu aller plus vite, j'imagine, en faisant que du corps à corps, mais bon, j'ai du mal à les combattre. Très bien.
J'ai beaucoup de mal à les combattre. Ah, oh, c'est du suprême, ok. Du coup, c'est pas là. I'm all geared up. I can't take this heat. Putain, les dégâts. Je pensais pas qu'elles étaient aussi proches. Ah, les dégâts que ça prend. Merde. Oh, je vais tomber. Bon, l'empalement, on les massacre. Oh putain, les flèches. Je devrais les tuer en fait, parce qu'elles sont faciles à tuer au final pour moi. Avec ce setup. Je voulais pas que ça prenne longtemps, mais en fait ça va très très vite. Il y en a deux. Non, il y en a trois. Je suis bloqué par la... Oh, je vais mourir. Ça oblige de bien connaître chaque type d'insecte et tout, genre s'ils sont faibles à quoi. Parce que là j'avoue que... Ah l'arbalète, oui, ouais, ça fait mal quoi. Bon, ça commence un tout petit peu à me fatiguer là. Encore. Merde. Je commence légèrement à fatiguer. Les larves que tu partes. Ah merde hein. Bon, ça c'était faible contre quoi déjà? Salé. Ok.
On peut faire lui. Il est où? Je vois rien avec cette lumière. J'ai des flèches de glace, c'est vrai que je pourrais les utiliser contre les larves en fait. On devrait se faire une grosse lance, une des meilleures en froid. J'ai peur que le caillou il passe à un moment. J'ai vu sa vie descendre. Donc le poison fonctionne. C'est très bas. Bah ça aide, hein, mais... Parfait. L'arbalète qui est fatiguée parce qu'elle fait que tuer. Mais je crois qu'on tue plus honnêtement que quand on est en mêlée. Hein. Quasiment certain qu'on est plus efficace quand même. Hein. Quasiment certain. Bon, à la limite, on a fait les coccinelles qu'on n'a jamais fait avant. C'est déjà ça. Ok, ça c'est le... Le... Comment ça s'appelle ? Le barbecue. Qu'est-ce qu'on fait ? On rentre. On peut rentrer. On prend toutes les pierres avec nous. Alors. Là, on a plein de glandes acides, c'est ouf. On peut faire ça. You can be smart, fast, lucky, ça. Or just wear some armor. On peut pas avoir assez de place. Ça, c'est les grosses qu'on a de pierre. Bon, on va rentrer.
Je suis pas trop comment dire vendu hein, sur le fait de rentrer, mais on a fait un beau boulot déjà. Peut-être rentrer dormir et après. Et après on y retourne. On y retourne pendant la journée. Mais on va ailleurs du coup. Ah, ils sont là, les acariens. Toum, toum, toum. Ils sont marrants, la musique des acariens, c'est marrant. Putain, on repasse toujours par le même chemin, c'est un peu long, c'est chiant. Vous savez quoi, je vais couper et on va repartir dans le champ quand il fait jour. Et on fait encore le tour, ok, ça marche? Ah, tout de suite. Ok, nous sommes de retour sur cette zone-là. Donc, ça c'est des chewing-gums. Tiens, il y a un chewing-gum juste là. Pourquoi pas? Si on essayait d'aller tout droit, ou j'en sais rien honnêtement, j'en sais rien. On est allé tout à gauche, il y avait des termites. Il y a des chrysalides de partout, mais on n'arrive pas à les prendre parce qu'il nous faut la hache. On a tout ce qu'il faut en fait. Il manque juste les termites pour prendre les chrysalides, pour faire le... après c'est quoi? Après la hache? C'est le marteau. On sera bon. Ah oui, là il y avait des araignées, il faut faire gaffe. Après on aura quoi d'autre? Après on a tout en fait. C'est juste ça qui est chiant quoi. Donc c'est relou. Si on essayait de monter tout simplement, je sais pas, peut-être qu'on verra des trucs. Je commence un peu à... Je commence un peu à désespérer. Et encore une fois, ouais, il manque que ces mandibules à la con là. Oh mon Dieu. Vélo tout terrain Sam Quench. Ok. C'est quoi ça? Une fourmi noire. Ouais, il manque vraiment rien, quoi. C'est vraiment chiant. Faudra en tuer une autre là pour avoir 5 parties. Ah, mais c'est les fourmis noires, elles vont pas nous attaquer. Ah, peut-être par contre ça, si. C'est des guerrières, ça, non? Il y a des abeilles en haut. On va s'équiper. Est-ce qu'on doit monter, genre, là-haut? Ah, quoi? Mais pourquoi elles attaquent? Tu vas pas voler celle-là. Pourquoi elles attaquent? Fourmis noires sont pas censées attaquer. Faire gaffe qu'on peut tomber. Aïe aïe aïe.
Ouais, c'est un peu embêtant. Or, j'ai coupé parce que quand même c'était long, mais c'est un peu embêtant. On tourne un peu en rond. Enfin, je trouve ça inadmissible de... Enfin, inadmissible. Façon de parler. Enfin, je trouve ça vraiment chiant de d'avoir fait un coin à termites, là. Et de pas trouver de mandibule, en fait. C'est fou, ça, parce qu'il me manque que ça, quoi. Pour pouvoir progresser. Ça, après, on peut prendre les chrysalides. Après, c'est bon, on a tout pour faire le marteau. On a tout, quoi. Puis après, on pourra tout prendre ce qui est niveau 3, là. C'est... Ouais, non, c'est chaud, là. C'est quoi, ça? Let's see what's around here. Quoi ce truc? Amas de peluche. Faut le couper à la hache. Niveau 3. Donc on a trouvé. On a trouvé ce qu'il faut. Oh, ça va, c'est pas très difficile. Donc amas de peluche, c'est là. D'accord. Ça marche. Il est où là exactement? On peut peut-être monter. Il va falloir que je me rappelle de tout ça après. C'est quand même un peu incroyable par contre, hein. On va avoir tellement de choses à aller revoir là, et farmer de tous les côtés quand on aura les niveaux 3. Ça va un tout petit peu fatiguer, je crois. C'est quoi ça? Oh. Bardane épineuse. Ok. C'est pour faire quoi? Très caractéristique, cette boule bordée de pics vit dans des amas de mauvaises herbes. Oui. Si tu le dis. Bon, on a bien fait de venir, hein, c'est pas pour rien. En plus, ça a l'air... Oh! Oh non. Quoi qu'attends, comment on y va? Là? Comment je vais là au-dessus? Je crois qu'il faut construire quelque chose là. Ah! Ah. Oh, attends, peut-être elles sont là les termites. Putain, ça va faire mal. Ah aussi, j'ai fait des flèches, j'en ai fait juste une sorte en fait. D'avoir autant de sortes de flèches, c'est con, ça prend trop de place. Ça prend grave trop de place. Gant de jardinage abandonné. C'est quoi le gant? C'est ça? Ah oui, c'est ça. Je crois que c'était un t-shirt. Putain. Oh, on est bon.
C'est des bonbons ça, fire caution. We go. Ah, c'est du fuel pour fire, pour feu. C'est quoi? Ah, c'est les bonbons. On va voir le poste. Là, il y a peut-être des trucs de bois, là. Des termites, là. C'est genre là. C'est quoi qui bouge comme ça? Genre là, il y a plein de trucs de bois. Donc, oh! On va trouver l'entrée. Attends, il était où, le... Ah, il était là. Place de rusher. Ah ouais, mais comment... Oh, putain. J'ai pas de truc, moi. The eyes, they are always watching. The backyard is watching. Strange noises, strange occurrences, coincidences. Oh, I think not. Or is it my mind playing tricks on me? I feel the senility at the edges of my thoughts. I have grown so old. Just the other day, I found my tape recorder laying out that I knew I had put away. I would not have been so careless, and yet there it was. Could it have been Purkle? No. No. Such a conspiracy would be beyond his capabilities. Something darker is afoot. Ominent, perhaps. I knew it might be too great a risk to liberate that equipment from them. Whatever it is always watching. Ominent, surely. But how could they know? I took such precautions, and yet... Burgle, execute end-of-day procedures. Wait. Ignore that. I will see to it myself. It may be time for me to find a new venue for my research. Away from all these eyes. Il est devenu fou, hein. Il est devenu complètement cinglé, le mec. Hein. Alors, on a eu des pièges. Très volatile, explose dès qu'il est touché par quelque chose d'épicé. Fait des dégâts massifs contre les créatures impliquées dans les événements de défense. Ça, c'est pas mal, ça. Tirer des flèches de feu dessus. Et après, on a du plancher et tout ça, là. C'est super joli. Bah, c'est un parquet tout bien dessiné, quoi, tout beau. Et la résistance, elle est énorme, quoi, la défense. Elle est plus haut que tout ce qu'on a. Genre, on pourrait faire ça avec du enfin, le nouveau, là. Avec des murs comme ça de briques. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Mais ça a l'air vraiment rare, les machins, là. Alors, peut-être qu'on peut en trouver là où on est, là, juste devant. Genre là-dedans, là. Genre, attends... Il va faire nuit en plus. D'accord. Waouh. Bon bah il y en avait dans le pot et basta. Bon peut-être que là il manque des trucs. Hein, mais ouais. Il faut que j'aille farmer plein de trucs. Plein de matériaux. Je commence à être vraiment... Bah, pas trop à court non plus, faut pas exagérer, mais ouais, on va dire qu'on commence à être à court de trucs. Donc je crois que les prochains... Voilà, les prochaines fois que je joue, ça va être hors ligne, et, enfin hors ligne, hors vidéo. Let's see what's around here. Et ouais, non, là il doit avoir des termites, c'est obligé, là. Et il va falloir que... Oh, il y a encore un truc. Il va falloir que je farme pas mal de trucs. Pas mal de choses. With a bigger termite comes bigger chompers. Soldat termite, c'est bon.
J'ai des flèches de froid. Je crois que ça aide pas contre les termites. Les termites, c'est le sel. Ouais. Bon, on fait des dégâts empalés. Attends, elles sont résistantes au froid ? Taillade d'épicé. Non, c'est bon. Je crois pas que je fasse plus de dégâts en fait en utilisant. Genre, ça rajoute pas de dégâts de base, on va dire. Donc, on peut tirer des flèches normales. Ça, c'est normal. On va la suivre. Là, c'est du 3. Ouais. C'est quoi ça? Quoi ce bruit? Ah, c'est le... Le putain de... Ouais, non, si, peut-être un peu plus de dégâts. J'en sais rien. Je sais pas vraiment, je crois pas, hein. Je crois pas. Je crois que c'est le corbeau qui a fait ce corps là. Il y a les petits champignons, mais c'est les mêmes qu'on connaît. C'est quoi ça? C'est une grosse? Yes, let's go. Merde! C'est pas le moment, quoi. Des bruits un peu partout. Elle est où ma guerrière? Elle est là. Faire gaffe, elle peut toujours cracher de l'acide. Hein. Mais putain de merde. Que dalle. Ok. Nice and safe. Ouh, on est bon. Just like a fruit pounder. Ah, d'accord, il est là, le nid. Je peux pas monter. Attends, je peux peut-être me la faire de là. Qu'est-ce qu'on doit faire avec, à part la hache? Je crois rien. Le truc qui est bien, c'est que la hache, on pourra directement l'augmenter au niveau 3. Au maximum, je veux dire, avec les pierres, parce que c'est sûrement le dernier. Ah putain de merde.
dernier truc. Pourquoi la lumière à gauche? Ok. Du coup, pas joué. À la limite, vu que tu m'as rendu curieux. C'est un soldat, ça. Léo Tate Box. Trop fort. Que j'ai les critiques. Ouais. Contre la fourmi, ça sert à rien. Je sais pas quel reset. Je me demande si avec le niveau 3 on peut résister au feu comme si on avait l'équipement entier, parce que c'est sur 3 levels et on a 3 parties de l'équipement. Peut-être qu'on a plus besoin de l'équipement. Oh, attends, tu me fais chier toi. Ah bah, merci. Par contre, me crache pas dessus. Hein. Merci, tu gères. Tu agaces les termites. Ouais, bah merde. Oh, c'est maintenant que je les agace, donc elles vont venir... je les agace, donc et du coup elles vont venir me chercher à la maison. J'aurais même pas besoin de... En fait, j'ai même pas besoin de venir les farmer. La blague. C'est vrai que quand j'y pense, on peut faire ça aussi. C'est... On les tue... Un nombre énorme. Et après, il y a des représailles. Ouh, ça c'était un critique, ça. Et après, on a des représailles. Oh la vache. Bon, si on se cassait. Bah, ça me fait un peu chier, parce que vu qu'on a commencé à les défoncer... Peut-être qu'il en reste pas beaucoup. Je sais pas si ça vaut le coup en fait d'y aller dans ce merde de trou là. Voilà trou. Oh putain. Y'a quoi dans ta merde? Ouais bah plus de termites quoi. Bon après y'a des fragments et tout ça. Chow down, hungry termite. Ah, un truc qu'on peut faire avant de partir, c'est...
Ah merde. C'est aller faire une des coccinelles. Comme ça, on en a 5 de partie. Coccinelle noire là. Quoi ça? Ah, ok. Je sens que je vais me taper une bonne représailles de tout là à la maison. Ça me fait un peu peur dans un sens. I'm all geared up. Par où on passe? Ouais, on va partir. On va partir, mais avant ça, on va récupérer donc. On va faire une coccinelle. Il nous faut une carapace. Simplement une carapace, c'est tout. That was refreshing. Donc, on va aller dans la, ouais, dans la partie là-bas, là, c'est plus la jungle qu'autre chose. Gonna have a look around. Ça, c'est quoi, ça? Ah, ça aussi, il faudrait, je crois. Je m'en rappelle plus. Putain, il est malin. C'est... Oui, c'est vrai que c'est les trucs qui régènent ça. Honnêtement, je vois pas trop comment le... Il s'est bloqué. Comment le faire normalement, hein. Comme j'ai dit, il faudrait une grosse massue. Je crois qu'il faut le spammer à la massue. Lui, il aime pas le froid ou il aime pas le salé? Il aime pas le froid. Des flèches. Donc ça c'est des larves. Il nous faut les coccinelles. Parce que le bouclier il a l'air top. Et le bouclier en plus... On va pouvoir le faire, il suffit juste d'aller récupérer, je crois, des chrysalides, les faire sécher, et hop, c'est fini, quoi. J'ai vu qu'il y en avait plein d'endroits. Je crois que c'est... C'est là, c'est dessous ça, non? Ou il y en avait plein... Ou c'est dessous ça? Je sais plus. Ou l'autre. Sous le porche. Comme ça que ça dit. Mais ouais, les chrysalides, c'est pas très dur à récupérer, honnêtement. Il y en a beaucoup dans les alentours. Après, il y a les fragments de bois, là, à récupérer aussi. Ça aussi, il y en a beaucoup. Ah. Non, l'arbre, merde.
putain, tu vas pas me dire qu'on va pas en trouver une, quoi. C'est fou, ça. C'est fou, ça. Là, il doit en avoir une. Plein de feuilles et tout ça. Ah. Ouais. Go, 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 go. Si elle a défoncé un petit truc, quoi. Toi, un ennemi de ta taille. Donc voilà. Hop, c'est ce qu'elle a fait, hein. C'était quoi ce tir? Hyper activité, là. Non, hyper je sais pas quoi, pour mon endurance. Je crois que c'est pas mal en fait si on fait de l'arbalète comme ça. Ok. T'as le bruit qu'elle fait quand elle crève, on dirait. La voiture. Bout de coccinelle, tête de coccinelle. Non, sérieux? On n'a pas eu la carapace. On n'a pas eu la carapace. Yes, ça tue! On va en trouver une autre. Ouais, genre ça. Alors, attends. Si je dis... Alors, hyperactivité et récupération de l'épuisement. L'épuisement, c'est quand on est à court de... Quand on est à court complètement d'endurance. Donc ça, on met plus longtemps, du coup, à récupérer. Mais si on s'épuise pas, en théorie, ça remonte plus vite. Donc c'est pas... Ladybird Lava, pull the fire alarm. Merde. Bien vu, gamin, bien vu. Careful with that roly-poly, they're not as cute as they look. Bien vu, bien vu. Putain, le mec, il voit avant moi, quoi, c'est ouf. C'est quoi ça? Graine d'herbe. Qu'est-ce que c'est? Des graines de base utilisées pour faire pousser de l'herbe. Depuis quand on récupère ça? Je peux les planter du coup? Bon. Il y en avait plein là, non? Ou alors c'était pas là. Profond. Voilà. Bah merde alors. Let's see what's around here. Non, la base des araignées. La première fois qu'on a une musique comme ça. Là. Voilà, putain. Tu prends cher, hein. Sale pute. Excusez-moi, je ne voulais pas parler ainsi.
Viens ici, bordel. Tiens, oh là là. Oh là là. Pas apprécié ça. Où elle va, quoi. Mais c'est ouf, on dirait qu'il est toujours derrière moi. Par contre, flèche de froid, sur ça, ça marche bien. Enfin, ça marche bien, mais c'est toujours pas ça que je cherche, donc ça me fait chier. Non, c'est... Ah, je me rappelle de cet endroit. Tiens, il y a encore une graine. Non, ils avaient pas vu la dernière fois. On peut les manger ou pas? Non, on peut pas. On avait combattu quelques-unes, là, des coccines. Oh, yes, trouvé. Putain. Compliqué, hein. Oh, merde, ça, c'est des fourmis, ça. Oh, mon Dieu, la visée, quand je me baisse, quoi, elle est horrible. Presque. Juste un peu trop grosse. Là, par contre, tu me fais chier. Oh merde. Ouh. Sans deck. Sans deck. Sans déconner, on n'a pas eu de carapace. Hein. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Du 3. Intéressant. De ce côté. C'est quoi ça? C'est un bœuf, ça. Oh, merde. Ah bon. Fais gaffe que j'ai un triceratops dans le cul aussi, fais gaffe. Ce sera embêtant qu'ils viennent. Bon.
vous rappelez ce que j'ai dit? Ok, tout va bien. Tout va bien. Ah, on va devoir le finir maintenant. S'il va pas nous lâcher, donc autant autant en profiter. Hein. Putain, ça m'a fait peur, j'ai sursauté de ma chaise. Non, on va y arriver, ça va. Plus, j'ai rien demandé, hein. C'est lui qui est venu, hein. Énormément de HP hein, dans ce niveau de difficulté. Hein. Je sais pas si c'est aussi long pour les tuer en normal, mais... Encore heureux qu'on ait une bonne arbalète et tout ça. Ok, là faut faire gaffe. Il est devenu intelligent. Quoi. Ça va, on récupère quasiment toutes nos flèches. Je vais peut-être abuser sur le nombre de flèches. Ouh. Donc on a 4 mandibules. On a notre carapace. On est bon. On a des graines aussi. Ok, c'est parti. Let's go. Ah bah voilà! Mission accomplie! Geronimo! Ok. Te bloque pas. Du nectar. On peut prendre du nectar. J'arrête pas de crafter des gourdes, c'est abusé quoi. Peut-être arrêter un peu de crafter des gourdes.
pour ça qu'il faut que je commence à farmer des trucs. C'est ça un peu le problème de vraiment, comme je dis, hein, de jouer vraiment complètement seul. Pas vraiment le temps de farmer quoi que ce soit si on veut avancer dans le jeu. Sinon, bah... Sinon, ça prend 3000 ans, quoi. Il y a le poisson qui est réveillé. On va pas passer. Ouais, c'est ça le truc. Faut que bah, je fasse des pauses. En gros. Entre les sessions où j'enregistre. Mais là, je suis content. Ça y est, on a enfin eu nos termites. Là, on a fait une grosse farm de termites et tout. On a plein de boue. Les termites, elles sont pas contentes. Enfin, il y a personne qui est content. Il y a les larves qui sont pas contentes. Les termites qui sont pas contentes. C'est... Ah ouais, c'est... Allez, on n'est pas aimé, quoi. Hein. Putain, on dirait moi dans la vie, quoi. C'est chaud. Alors, vas-y, je vais voir ce qu'on a gagné. Ding! Ah, peut-être rien, honnêtement. Ouais. 5000. Ouais, c'est ça, le nectar, là. Genre de courtier avec du, de l'araignée, de la baie. C'est pas très... Ouais, c'est pas très rare. Ça. Ah merde, j'ai plus assez. Évidemment, il y a de la plume. No lemon crime, but it's better than nothing. J'arrête pas de crafter des gourdes. Le jour où on a la l'autre gourde là, bon celle-là par contre je la garde. Je vais pas l'acheter, parce que là, il faut du charbon et tout. Quoi. Gourde qui se renouvelle et tout machin, on met de l'eau croupie, ça fait de l'eau propre. Celle-là, ouais, celle-là, on la lâche pas. Mais celle-là, on va pouvoir la faire. Parce que je crois qu'il faut de la du chrysalide et tout ça. Celui-là, on va pouvoir la faire aussi. Nickel. On est bon. On va regarder un peu la masse aussi. Même si on sait pas la faire. Bon là. J'ai acheté des trucs, mais j'ai l'impression que ça me servira à rien. Bon après, il y a les palmes. On pourrait les monter au niveau 5 et voir ce que ça fait. Ah, quoique non, non, c'est de l'équipement, c'est pas... Si, non, si, si, c'est ça. Non, l'équipement. C'est l'équipement qui donne des effets spéciaux, là. Dans ces 5. On est à la maison. Hop là. Alors ça, ça, ça... Quoique ça, on peut les planter direct, je pense. On va les planter direct. Attends, on va réparer l'arbalète si jamais on nous attaque. Planter, on peut mettre plein d'engrais. Change de pouce. Je vais mettre de l'engrais.
Change de pousse verte, 50%. Change de pousse verte. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Eh ben voilà. On y est. Donc, H. Boum. Ça y est, H termite. Putain, il était temps. H termite. Très bien. Qui va nous permettre de récupérer donc les chrysalides, les copeaux de bois aussi, là, les échardes. Avec les chrysalides, on va les cuire. On va pouvoir faire le marteau direct, parce qu'on a déjà tout. Donc marteau direct. Avec le marteau, on va pouvoir prendre la rouille. Ça, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est avec la hache aussi. On va pouvoir le prendre. Bon, ça par contre, je sais pas. Je sais pas encore où ça se trouve. Pour l'équipement, pareil. Ouh. Pas de nageoire plus. Non, c'est équipement. On va virer ça. Allô. Très bien. Là, on a les nageoires plus. Donc, la masse mentholée, ça aussi. Nous, on a tout. Il faut juste ça. Les cubes mentholés, on sait pas comment faire. On a aussi cette masse là. Putain, elle a fait beaucoup de dégâts. Ah, mais c'est vraiment la masse ultime en fait. C'est abusé. Cube salé pareil. Donc, ça on va pouvoir farmer. On va pouvoir récupérer donc le marteau. Et après, je crois qu'on va pouvoir aussi faire l'équipement. Genre le cloporte pareil. Ça on peut le récupérer. Ça on peut le faire sécher. Le scarabée bœuf. Ça on peut le faire sécher. Pareil. Ah, les fourmis rouges. Ça, on va pouvoir le faire sécher. Après, les têtes de fourmis de feu, on n'a pas rencontré de soldats encore, je crois. Je crois ? Je me rappelle plus. Je pense pas. Je pense pas qu'on ait trouvé de guerriers. L'appareil peluche, on va pouvoir le faire. Carapace sur la terre. Bon, ça, c'est autre chose. Voilà, la team thermite, on ne touche pas. Mais l'appareil, on a tout. Carapace de cloporte. L'harnais, on va pouvoir récupérer ça. On a tout. Ah ouais, non, non, c'est bon, on a tout débloqué là, c'est bon. On va tout pouvoir faire petit à petit. Pareil, peluche, scarabée, duvet d'acarien domestique, on a. Et des cordes en peluche encore. Très bien. Et le bouclier, c'est où le bouclier? C'est là. Et le bouclier, on va pouvoir faire... non, celui-là, non, il faut peut-être de fourmis de feu. Celui-là aussi, on va pouvoir le faire. Donc, carapace de coccinelle avec corde peluche et du cuir, encore une fois. Donc, on aura attaque imparable, je sais pas ce que c'est. Et ça, ça sera pour plus tard. On a tout. Ça aussi, pareil. Ah non, quoi, punaise verte, on ne sait pas où c'est encore. Et l'arbalète, ça viendra aussi plus tard. Ça. Mais ouais, c'est bon, on a tout débloqué, je suis content. On s'est débloqué, j'ai envie de dire. On s'est débloqué. Alors, j'avais envie de faire ça. Il nous faut du plaquage fragile. Ah, putain de merde. Il y a ça aussi à faire. Voilà, j'ai envie de la mettre directement 5, comme ça elle résistera. Puis je crois qu'il faudra de la colle pour la réparer. C'est tout. Je crois qu'au niveau 5... Ah non, peut-être pas. Peut-être que l'armure au niveau 5. Ah non, c'est quand c'est niveau 6. Ah merde. J'ai peut-être fait une connerie. Bah, c'est pas grave, on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout, c'est pas grave. Ça servira d'arme si jamais on est dans la merde aussi. C'est très bien. Les graines, on va les ranger. Oui, c'est pas grave. J'aurais pu ne pas le faire et genre l'améliorer pour réparer à chaque fois, mais on s'en fout.
C'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Donc ça, je voudrais l'augmenter à 5. Enfin, 6 même. Niveau... Donc il faut... Plaquage fragile. Ok. Plaquage fragile. Et après, on s'arrête. Hein. C'est juste pour montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc, plaquage fragile. Il en faut combien? Je vais pas regarder. Je crois qu'après il faut encore la même chose. Ok, maintenant 4. Maintenant 5, enfin 4. C'est vrai que c'est bien de pouvoir faire les... Comme ça. Alors. Marathon. Donc ça aussi, ça gagne marathon. Comme les... Comme les pantoufles. Comme les pantoufles. C'est très bien. Très très bien. Bon bah voilà, on va s'arrêter là. Non, on fait notre hache et tout ça. Dans un sens, je me dis que je vais mettre pause parce que sinon le temps passe en fait. Et dans un sens, je me dis que je devrais peut-être aller farmer moi seul de mon côté, mais c'est débile parce que ça c'est des nouvelles choses là qu'on va faire, qu'on va récolter. Donc ouais. Mais ouais, ça l'épisode est un peu long pour moi. Avec l'aller-retour et tout ça. Mais on a fait ce qu'on a voulu, on a tout débloqué là encore une fois. Donc il va falloir récupérer plein de chrysalides et bon les nouveautés là avec la hache, comme les copeaux et tout ça. Et après faire tout sécher directement, comme ça on peut faire les nouvelles armures et tout. Je voudrais l'armure de cloporte, je voudrais l'armure du taureau là, du bœuf. Le bouclier de la coccinelle, de la nouvelle coccinelle aussi, il a l'air terrible. Et voilà, en armes pour le moment on n'a rien de nouveau. Enfin, on ne peut pas faire les masses en fait. Donc ouais. Mais ouais, vraiment vraiment cool. Après, est-ce que je vais faire une autre base? Je sais pas. Je vais peut-être jouer un peu avant le prochain épisode, histoire de récupérer des choses. Parce que là il me manque quand même. Enfin, j'ai plus de choux, j'ai plus rien. Donc j'ai un peu envie de farmer un peu les trucs vite fait. Genre quelques heures. Mais ouais, après, est-ce que je veux faire une autre base? Faudrait que je fasse une base dans... C'est chiant. Ce serait sur l'eau, en fait. Mais il faudrait que je le fasse à plusieurs, en fait. Peut-être demander à des gens avec... des copains du Discord, peut-être s'ils veulent jouer. Pour la construction, c'est un peu con, mais bon. ça irait tellement plus vite à plusieurs. Putain, ça serait trop bien. Enfin, bref. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Je suis content, je suis content. On a la nouvelle hache. Et on arrive au fin de jeu là. À la prochaine. Ciao ciao.